à domicile pour la dernière, c'était l'objectif. Voilà, donc content. Ouais. Un match un peu difficile sur la fin. Ouais, bah, il fait très très chaud. Les filles ont senti qu'elles étaient devant, maîtrisaient le sujet. Elles se sont peut-être un petit peu déconcentrées. Il y a eu un petit coup de mou, on va dire, en deuxième mi-temps, un passage à vide. Mais bon, après, je pense qu'on a géré, on a géré le match comme on a pu. Ça s'est fait sur quoi, la victoire? Bah déjà, elles étaient moins nombreuses, elles sont arrivées avec un effectif de 8, nous on était complètes, pour une fois. Donc je pense qu'elles ont su faire de la chaleur. Et puis après, bon, bah, nous on a essayé de pousser les ballons malgré tout, essayer de jouer un petit peu dans la continuité sur le jeu placé. Voilà, bon. Mais il fait très très chaud, je pense que la chaleur a fait mal aux deux équipes ce soir. Ouais. Puis quand même les gardiennes sont mises en valeur. Ouais, un joli match des deux gardiennes, on est très contents, c'est bien. Un point sur la saison, il reste un match. Dans tous les cas, ben, Villeneuve sera milieu de tableau. Ouais, c'est ça, milieu de tableau. Bon, de toute façon, on jouait le maintien, donc en début de saison, on avait fait une très belle première partie de saison. Donc on avait revu un petit peu les objectifs à la hausse, et puis après la deuxième partie était très très compliquée avec les équipes des Pyrénées-Atlantiques. Pas mal de blessures chez nous dans l'effectif. Donc voilà, bah on a fait comme on a pu et on est quand même satisfait d'être dans la première moitié de tableau de cette petite région. Quoi. Avec Fabrice, le coach, ouais, qui a eu un cadeau. Ça veut dire que c'est un cadeau de départ? Ouais, c'est un petit cadeau de départ des filles. J'ai annoncé que je ne les reprenais pas l'année prochaine. Ça fait quelques semaines déjà, donc elles sont au courant. On travaille sur la continuité. Voilà, ça fait 4 saisons que je les ai. J'ai des projets personnels aussi, donc voilà. C'est un tout qui fait que je reste à Villeneuve, il n'y a pas de souci. Je vais aider la filière, mais je ne les suivrai pas en tant que coach principal.